Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes la 48e vidéo du journal créatif de la semaine. Donc bon dimanche à tous, déjà si vous êtes en train de regarder la vidéo ce dimanche. Alors d'abord je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles qui sont arrivés sur la chaîne. J'espère que la chaîne vous plaît, voilà, que vous aimez ce que vous voyez, ça y est, ça commence, je bégaye. Alors le journal créatif, comme je vous explique à chaque fois, je vous montre tout ce que j'ai fait dans la semaine. Que ce soit en broderie, tricot, crochet, ou si j'ai fait d'autres activités manuelles ou créatives, je vous les montre également. Voilà, déjà la mèche qui se barre. Alors, cette semaine, j'avais prévu. Alors, je n'avais pas prévu grand-chose, mais voilà, bon, je ne sais pas si j'ai beaucoup, beaucoup brodé. Cette semaine, je vous explique pourquoi. Bon, j'ai eu rendez-vous à mon médecin, au cardiologue, les courses, voilà. Et il y a été une après-midi. Bon, ça nous a pas pris toute l'après-midi, hein, mais ça nous a pris une bonne heure, 1 heure et demie. Alors, je sais pas, je crois que la lumière, elle bouge dans le téléphone. Donc, je m'en excuse, c'est pas, ça vient pas de moi, je sais pas pourquoi, mais bon. Oui, on a relooké notre bahut. Alors, il est très abîmé. Ça fait un moment qu'on l'a, hein, déjà, et bah, c'est des meubles, vous savez, compressés, donc c'est pas des meubles qui durent 50 ans. Donc c'était ça ou en racheter un, mais bon, en racheter un pour l'instant c'est pas d'actualité. Il y a d'autres choses plus urgentes. Donc j'avais trouvé chez Action, vous savez le papier adhésif là, ils vendent en rouleau, il y a plusieurs couleurs. Donc j'en avais trouvé un et justement ça faisait presque la, enfin si, la teinte, oui, ça faisait la couleur de ma table de salle à manger, du bureau à chouchou. Voilà, donc on a mis cet adhésif sur les portes pour cacher un peu la misère, comme on dit, et puis la misère est bien cachée. Donc là, bon, je pense que le meuble va encore durer un petit moment, parce que niveau solidité, il n'y a aucun problème. C'était les portes qui étaient abîmées. À la longue, ben avec les chiens, le chat, tout ça, à la longue, ben des meubles, ça s'abîme un peu hein, quand on a des animaux à la maison. Donc voilà, bon, du coup, le meuble est reparti pour un petit moment, tranquillou. Je vous ai très certainement mis une photo avant-après. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je l'avais mis sur mon Facebook et puis je l'avais mis sur mon Instagram. Voilà, donc on a fait ça cette semaine. Et moi, cette semaine, ça n'a pas été la grosse, grosse forme. J'ai mes douleurs, j'avais très, 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 très mal bah, mes douleurs. Donc, j'ai des douleurs très fortes à l'épaule. Donc, normalement, c'est de l'arthrose, hein, donc on ne peut rien faire. J'avais très mal à mes mains, voilà, parce que je fais de la rhizarthrose à mes 2 pouces, voilà. Donc cette semaine j'avais très mal. Et puis maintenant j'ai des douleurs dans les pieds, donc c'est pareil, ça doit être de l'arthrose. Le matin quand je me lève, vous savez, j'ai les talons qui me font très très mal. Mais bon, c'est aussi mon poids. Hein. Je sais que niveau poids, bah, ça baisse pas, donc je sais que ça aussi, hein, ça tasse mes mères. Hein. Donc voilà. Donc cette semaine, j'ai eu un peu de mal pour broder. J'ai même pas été beaucoup motivée, mais j'ai quand même fait des choses. Hein, je vous rassure, j'ai quand même fait des choses.
Mais voilà, bon, la semaine prochaine, ce sera une autre semaine et ça devrait aller mieux, mes souhaits. voilà, alors j'ai eu beaucoup de messages, enfin j'ai eu plusieurs messages. J'en profite pour vous remercier pour ma dernière vidéo, celle que j'ai mise hier, donc vendredi, au sujet de la boutique chinoise. Je vous referai très certainement une vidéo de toute façon là-dessus. Donc si vous savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder la vidéo juste avant où j'ai marqué gros coup de gueule pour une boutique chinoise. Donc j'ai des personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien. Donc ça, je les remercie beaucoup. Les commentaires que vous avez laissés aussi, je vous remercie beaucoup. Là, j'attendais, avant de leur envoyer un message, j'attendais d'avoir des retours des abonnés. Et j'ai eu le retour d'une abonnée qui m'a fait une capture d'écran. Alors, j'ai l'impression, parce que moi, je cherche, je cherche, je cherche. Mais en étant en France, donc j'ai peut-être la version française, j'en sais rien, je n'arrive pas à trouver. Elle habite au Canada et elle m'a envoyé la capture d'écran. C'est pour ça que je vous dis, je vous ferai une petite vidéo demain. Bon, bien sûr, je vais. Au passage, je remercie aussi toutes celles qui m'ont dit. Edith, on voit ton adresse dans la vidéo. C'était le comble. Donc, je me suis dépêchée à reflouter la partie de la vidéo. Donc, merci beaucoup. Mais c'est vrai que j'étais tellement énervée que j'ai monté ma vidéo comme ça à l'arrache et j'ai pas du tout fait gaffe que, sans le faire exprès, bah justement, je montrais mon adresse. Cet abonné m'a envoyé une capture d'écran de son téléphone quand elle va sur ce site-là. Et effectivement, alors, mais je vous dis, je vais vous refaire une vidéo. Hein. Où est-ce que j'ai mis ça? Alors, je crois que je l'ai mis là. Oui. C'est. Sur cette page-là, on voit copyright, voilà, etc. Et your mailing address is, donc notre adresse pour vous, pour nous écrire, hein, pour écrire à la boutique. Donc c'est bien marqué Tapestry Market, donc ça c'est le nom de la boutique. Et c'est mon adresse personnelle qui est dessus. Donc là, je ne vais pas vous le montrer à l'écran, hein, mais je vous referai une mini vidéo et je cacherai mon adresse, mais c'est bien marqué mon adresse perso en plein sur le site internet. Donc là, j'attendais d'avoir des captures comme ça. Bon, si d'autres personnes en ont aussi, ben, n'hésitez pas à me les envoyer. Et là, donc, je vais envoyer donc, mon message demain. Bon, demain, c'est dimanche, mais eux, ils liront lundi certainement. Avec cette capture d'écran. Et mon email ne va pas être piqué bientôt, je vous assure. De toute façon, là, comme j'avais dit, je vais les menacer de déposer une plainte pour divulgation de données personnelles. Voilà. Bon, bah sur ces belles paroles, on va regarder ce que j'ai fait de beau cette semaine. Alors, d'abord, je suis contente. Vous savez que je fais une série de fleurs que je brode. Donc, c'est une série de 8 fleurs.
Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas oublier de remettre des photos ou quoi, parce que des fois, ça m'arrive. Comme je crois que c'est la semaine dernière, je devais vous montrer la broderie de Sonia et puis je l'ai oublié. Voilà, mais bon, ça arrive. Donc, je vais vous remettre la photo de la série. Et j'ai terminé. Alors j'avais tout le mois, je m'étais donné tout le mois pour la broder et je l'ai brodée en une semaine. Voilà, même pas. Voilà, donc c'est l'avant-dernière. Donc je l'ai encadrée tout à l'heure. C'est l'avant-dernière de la série. Voilà, donc des iris. Ils sont vraiment très très jolis. Alors, j'ai terminé le point de croix hier soir et j'ai fait le point arrière ce matin. Ça m'a pris 3 heures. Ça n'a pas l'air hein, comme ça, mais ça m'a pris 3 heures. Voilà, vous voyez, il y a quand même du point arrière. J'ai dit point de croix ou point arrière? Vous m'aurez compris. Donc voilà. 3 heures de point arrière. Vignette. donc voilà. Alors du coup j'ai alors là. Je n'ai plus qu'une seule. Alors je l'ai déjà sortie. Oui. Je n'ai plus que celle-ci à broder. Voilà. Donc là c'est une orchidée. Et j'aurai entièrement fini la série. Voilà. Donc celle-là, bah, alors normalement, je voulais la faire au mois d'août, mais je pense que je la ferai ce mois-ci aussi. Et puis, comme ça, bah, je serai tranquille, tout sera fait. Parce qu'au mois d'août, je commence avec Armel en duo. La série des petits cadres, vous savez, pour la cuisine que je vous avais montré. Ouais, les petits cadres que je vous avais montré. Bah, attendez, je vous les remontre. Voilà. Donc, c'était des broderies Spring. Voilà. Donc, il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Il y a celle-ci, les œufs. Et celle-ci, la confiture. Voilà. Donc, c'est moi, je vais broder ces quatre-là avec Armelle. Je ne sais pas si elle a exactement les mêmes que moi, mais je pense. Donc, on va en broder une par mois. Alors, d'accord. J'ai vu un message passer. Donc, ah non, c'est pas là que je dois regarder. Oh, je suis essoufflée. Je suis essoufflée. Alors, est-ce que j'ai mis son message? Je reçois tel. Alors, je reçois, c'est vrai, énormément de messages, que ce soit par email ou par un message privé. Je reçois vraiment beaucoup, beaucoup de messages. Donc, des fois, je mets beaucoup, beaucoup de temps à répondre. Donc ne vous inquiétez pas si je suis longue pour vous répondre, mais comment, n'hésitez pas à refaire toc toc, même plusieurs fois hein, des fois ça arrive hein, des fois on me je sais que là j'ai des messages à répondre. Je vais m'occuper de ça dimanche, ça va être un peu plus calme. Et donc, je vais essayer de répondre au maximum de personnes. Donc, faut pas vous inquiéter si je réponds pas. Ouais, donc, Carmel avait pris la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle en a pris 7.
Bon, moi je vais déjà faire ces quatre-là et puis après on verra. Mais moi celui sur le vin ne m'intéresse pas. Les bonbons. Après il reste les bonbons et les biscuits. Bon, je verrai. On va déjà commencer les quatre comme moi j'ai. Hein, Armel, d'accord, si tu passes par là. On va déjà faire ces quatre-là et puis après je verrai. Mais le vin, c'est sûr que je ne le ferai pas. Parce que ben, nous, à la maison, on ne boit pas de vin. De toute façon, on ne boit pas d'alcool du tout. Donc voilà, la seule bouteille d'alcool que j'ai, c'est du rhum pour les gâteaux. Et vous savez, les petites bouteilles en plastique là, de vin blanc et de vin rouge, ben, c'est pour moi cuisiner, c'est tout. Voilà. Donc celui sur le vin, ben, ça ne m'intéresse vraiment pas de le faire. Donc voilà, donc à partir du mois d'août, je commence avec Armel à broder. Oui Sonia, je me cache pour bâiller. Non mais c'est un petit truc entre nous. Donc je vais faire mon max pour broder celle-là ce mois-ci. Comme ça, ma série, elle est terminée. Je serai tranquille. Et je suis en train de... Alors, c'est quelle taille? 33 sur 33. Il faudra que je regarde. Parce que moi, j'ai des cadres. Il me reste 4 cadres, juste 4 ou 5 cadres, justement. Mais plus la taille au-dessus de celui-là. Donc j'espère que, bah, que ça ira dedans. Ça y est, je me meurs. Ah, voilà. Bon, ça, c'est fait. Alors, on va ranger les broderies là en dessous. Ça fera de la place. Alors, la semaine dernière, j'avais prévu de travailler prioritairement sur les salles pour les avancer ou pour rattraper tout au moins mes retards. Donc, on va voir si c'est ce que j'ai fait. Alors, je devais travailler sur le salle de Alice au Pays des Merveilles. Donc, c'est un Old Forest. Les ours de Noël, Old Forest. Le salle de Julia, Old Forest. Le salle, c'est quoi le nom? Floralie, je crois. De jardin privé. Le faon de Sabine. Bon, ce n'est plus un salle. Mais c'en était un, mais moi je suis extrêmement en retard dessus. Et le salle du Nouvel An. Ensuite, je devais travailler sur mes duos. Enfin, c'est des duos où on est à 5-6, où on est, voilà, avec le gang des Québécoises. Je devais travailler sur mon Halloween Quaker. Et je devais travailler sur le patchwork Quaker, Sampler, je ne sais plus exactement le nom. Voilà. Et je devais faire également mon étape de 4 cases sur le lilypoint avec sur les chats, avec Céline. Voilà. Voilà ce que j'avais prévu. Et mes tricots, bien sûr. Voilà Fifi qui vient dire bonjour. Bon, bien sûr, hein. Toujours la queue dans la tête. Ça va? Oh là là, elle fait des bisous à sa maman. Puisqu'elle est amoureuse de sa maman. T'es amoureuse de maman? Oh oui, tu es amoureuse de maman. Qu'est-ce que t'as dit encore? Tu sais que maman est en train de parler dans le téléphone, dans la caméra. Tu t'en fous, hein? Complètement. Tu fais ta star. Allez, hop, 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 hop. Allez, mon bébé. Donc voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais vous montrer tout ça. Et puis on va voir ce que j'ai fait et pas fait.
parce qu'il y a quand même des choses que j'ai pas faites. Il y a également donc mon challenge des 300 croix. Des 300 croix. Si je ne devais faire que 300 croix par semaine, ce serait bien. Des 3000 croix par semaine. Voilà, donc on verra tout à l'heure si j'ai réussi à... Mais j'ai un doute cette fois-ci, mais bon, c'est pas grave. Alors... Dans ma malle magique. le premier. Bah, le premier, c'est celui-là. Alors, c'est la broderie. Oh là là, excusez-moi, je suis vraiment très très fatiguée. Le salle de Julia, le Hall Forest. Oups, j'ai... Oui, si, c'est bon. Alors, voilà où j'en suis. Alors, j'ai fait quoi? J'ai fait ça, et puis j'ai fait ça ici, ouais, là. Alors, j'ai fait 385 croix, j'en suis arrivée à 74,54%. Et donc, il me reste à faire 3214 croix. Alors, normalement, donc 3214 croix, ça me fait 3 mois et encore un petit peu. Mais franchement, j'ai pas envie de durer encore 3 mois dessus. Surtout que j'ai vu qu'il y en a qui avaient déjà terminé. Bon, c'est pas la course, hein. Mais non, franchement, j'ai pas envie d'être encore 3 mois dessus. Donc, on va essayer d'accélérer. Je vais essayer d'accélérer un maximum dessus. Donc là, déjà demain, je pense, en faisant le montage de la vidéo, je pense que je vais travailler dessus pour avancer. Ne faire que cette broderie-là demain, dimanche. Parce que bon, bah, demain la journée va être un peu coupée. Pardonnez-moi, mais puisque demain, nous en France, c'est les élections, donc bah, je vais voter. Voilà, avec Chouchou. Après, alors si le temps le permet, parce qu'on a un temps pourri, hein, voilà. Si le temps le permet, on ira sur le marché de Boussu, en Belgique, puis chercher notre pain, et voilà, faire notre petit tour. Voilà, je me cache. Ça va être une horreur. Si vraiment il fait pas bon pour aller sur le marché, on va aller au supermarché, faire nos courses, et puis voilà. Et en rentrant, donc, je vais faire le montage de la vidéo. Et donc, je vais me mettre sur cette broderie. Voilà. Je vais broder que celle-là demain, je pense, donc dimanche, pour avancer un maximum. Je veux avancer, mais vraiment max, maximum. Parce que là, bon, donc ce mois-ci, donc nous, on fait 1000 croix. 1000 croix par mois normalement. Et là, j'en suis 9411. Donc, j'ai moins de 600 croix à faire pour être à mes 1000 croix pour ce mois-ci. Mais du coup, je voudrais avancer quand même un peu plus pour vraiment avancer. Je ne sais pas ce qu'il me reste à faire. Là, en dessous de la fleur, il me reste un écureuil. Et terminé. Alors, ici, j'ai un écureuil à faire. J'ai cette bordure-là à terminer. Là, vous, attendez, vous ne voyez pas bien. Hop. Ah, bah, tu attends, hein.
Là, donc ça va être tout le long. J'ai ici un, comment on appelle ça, pas un galon, une bordure, donc avec des citrouilles, avec de la verdure, là, des choses, donc tout le long. Donc de ce côté-là, il y a encore deux citrouilles à faire. Voilà, il y a encore deux petites citrouilles comme ça ici à faire. Après, il y aura la verdure tout du long. Par là, de ce côté-là, ici, il me reste deux citrouilles aussi à faire, plus toute la bordure. Et donc, de ce côté-ci, alors derrière le renard, ici, j'ai un petit butonio à faire et un truc là au-dessus. Il y a un chat à faire ici. Après la bordure. Bon, il y a quand même encore du taf. Hein. Et en bas, elle est où cette feuille? Je sais pas si. Non, on la verra pas là. Oui, une seconde. Minute. Maman, elle finit de parler. Et là, en dessous, j'ai encore une grosse citrouille à faire. Et à côté de la petite maison, là, il y a encore un motif à faire. Et après, j'ai toutes les... Là, en bas, j'ai toute une bande à broder. Voilà, avec... c'est pas des citrouilles, là. Je sais pas ce que c'est, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ouais, donc, je vais essayer d'y aller un maximum. Pour avancer, voilà, parce que je veux pas durer 3 mois dessus encore. Voilà, bon, vous avez compris, hein, vous avez entendu pleurer. Première pause pipi pour les poilus, mais je suis là tout de suite pour vous. Ça y est, c'est fait. hop, voilà, je suis au milieu. Ouais. Donc, je veux absolument avancer un maximum. En plus, alors normalement, j'ai déjà le cadre pour l'encadrer. J'en avais acheté un pour une autre broderie que ma belle-fille avait brodé pour moi. Mais je m'étais trompée. Le cadre est trop petit. Voilà. Donc, je vais le garder pour cette broderie. Voilà, hop, je remets le petit aimant. Donc voilà pour celle-ci. Mais elle est super agréable à faire. Si jamais vous voulez la faire, elle est sur All Forest et elle est gratuite, hein, celle-là. J'ai peut-être mis le lien déjà... en barre d'infos, je vous ai mis tellement de liens que je ne sais plus ce que je tourne. Alors, ici. Hop. Mon Lily Point, la ronron thérapie. Voilà. Alors, j'ai fait mes 4 cases ici. Donc, ça correspond à la tête du chat. En fin de compte, je vous disais que c'était un fil noir la semaine dernière, mais non, vous voyez, c'est un fil gris. C'est dans les... Alors, celui-là, c'est les nouveaux, dans les nouveaux fils. Alors, j'ai l'impression, vous savez que moi et les erreurs dans les broderies, hein, c'est... Une broderie sans erreur, c'est pas une broderie pour moi. j'ai l'impression que j'ai un décalage d'une croix quelque part. J'ai cherché. J'ai pas trouvé. Je me suis dit, si je ne trouve pas, alors soit qu'il n'y en a pas, c'est que j'ai rêvé, ou soit que vraiment ça se voit pas, donc c'est pas grave. Mais j'aime toujours autant le broder sur cette toile. Donc, c'est une étamine 12.6 fils
en style Vichy gris. Voilà. Je crois que mon choix était le bon. Voilà, on m'avait dit, j'avais des copinettes qui m'avaient dit, oh, je ne sais pas si ça donnera bien ou pas, mais si, si, ça donne bien. Ça donne bien. Alors, la semaine dernière, je vous avais dit, hein, je m'étais trompée au niveau du point qui fait l'ombrage. J'avais fait des points de croix au lieu des demi-croix. Mais bon, j'ai laissé, hein. J'ai pas démonté, ça va, ça fait aussi bien. Donc voilà, je l'ai pas démonté, c'est très très bien comme ça. Donc là, j'ai attaqué la tête, hein, voilà. Et ici, il y a le début des petites patounes. Voilà, il y a des petites patounes qui vont venir là. Donc là, c'est le début d'une première patoune. Voilà. Mais très agréable à faire. Bon, là, nous, on travaille donc avec Céline. Donc, elle n'a pas le même modèle, hein, je vous le remonte. On se fait 4 cases par semaine. Bon, moi, ça va très vite à faire. Pour Céline, bon, là, elle avait eu des petits. C'est pas des soucis. Elle était occupée. Elle était très occupée. Personnellement, elle avait des choses à faire. Voilà, et je sais que pour elle, 4 cases, c'est très bien parce qu'elle travaille. Là, elle est en train de. Enfin, son déménagement est terminé, mais vous savez bien que quand on déménage, après, il faut tout remettre en place. Donc, voilà, 4 cases pour elle, c'est bien. Et puis, de toute façon, ce n'est pas une grosse broderie. Ce ne sont pas des grosses broderies. Moi, là, je vous remontre, je vous ai peut-être remis l'image, mais vous voyez, c'est que c'est. Une broderie qui va aller assez vite, qui peut aller assez vite à broder. Voilà. Donc, moi, vous voyez, donc je suis ici et j'ai commencé la petite patoune qui est là. Voilà. C'est pas les carottes, hein. Donc, voilà. J'ai d'autres lili-points après à faire. J'ai des fils qui se promènent. J'ai d'autres lili-points à faire, mais bon, quand j'aurai fini celui-là, je continuerai sûrement un autre lili-point. Je vous ferai une vidéo. Alors j'en ai en haut, j'en ai en bas. Je vais les groupir, comme on dit. Et je vous ferai une vidéo pour vous montrer les broderies, enfin les grilles de broderies lili-points que j'ai. Voilà. Donc celle-là, j'ai fait non, un peu moins de 200 points. Il doit y avoir 190 points, je pense. Bon, à peu près. J'ai mon crayon qui se barre. Voilà, j'ai fait à peu près, ouais, 200 points, même pas. 150, non, pas 150. J'ai pas compté, hein, mais là il y a déjà une case. Là il y en a 100, c'est sûr. 150 ici. Ouais, un petit 200. J'ai fait un petit 200 points. Voilà. Et j'aime beaucoup le faire. Alors, ici c'est quoi? Oui. Alors, dans les salles, j'avais dit que j'allais m'avancer. Alors, je rigole toute seule. Parce qu'en plus, non seulement je vous dis que j'étais pas bien, il faudra que je le resserre celui-là, mais j'ai fait des conneries, comme d'habitude. Vous me connaissez maintenant. Hein, je ne peux pas faire autrement que de faire des conneries sur mes broderies. Voilà, c'est les ours de Noël. Donc là, on est en train de faire la petite fille. Donc j'ai commencé tout de suite par ça. Mais je me suis aperçue que. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez? Là, il y a des petits points bleus. Enfin, il y a 3-4 croix bleues.
Là, il n'y a pas. Ben oui, je les ai oubliés. Donc là, c'était quand on a fait la première étape. Et j'ai pas fait gaffe qu'il y avait des petits des aiguilles bleues là à faire en bas. Je les avais pas fait. Donc j'ai dit, bon, c'est rien. Quand j'aurai terminé ma petite oursonne là, quand je vais bouger le tambour, ben je rattraperai, je ferai mes petits aiguilles là. Alors du coup, là, j'avais fait, je les avais pas fait. Et c'est quand j'ai regardé ma grille, je suis mince, je dis ça, je l'ai pas fait. Donc là, j'ai commencé à les remettre. Voilà. Donc là, c'est bon. Ils y sont tous. Et là, j'ai commencé aussi pour cette étape-là. Mais donc, je brode là, toutes mes petites fleurs là, je les brode. Hop. Et puis j'attaque. Donc je fais ce morceau-là. J'avais fait un autre truc ici qui va là. Et j'attaque la jupe de la petite oursonne. Et puis je calcule, je regarde, j'y mince ici, quand on descend là, c'est bizarre. Ça, c'est pas, la jupe n'était pas là où il fallait. Décalage d'une croix. Donc j'ai démonté. Bon, j'avais pas fait beaucoup, hein, j'avais fait moins que ça. J'ai démonté, j'ai refait. Mais du coup, ça, c'était pas bon non plus. Donc je l'ai démonté, j'ai démonté le truc, la fleur que j'avais brodée là. J'ai tout enlevé. Donc là, j'ai bien calculé. J'ai refait la jupe, j'ai refait la petite branche là pour me repérer pour la jupe. Voilà. Donc là, tout est bon. Mais, parce qu'il y a un mais, donc je vous ai dit, j'avais fait les fleurs. Tout allait bien, les fleurs. Sauf que j'en avais brodé une en trop. Donc j'avais fait le petit truc là. Et une fleur ici qui n'avait pas lieu d'être, qui n'est pas brodée, elle n'est pas sur le dessin. Donc ben, j'ai redémonté. Donc du coup tout ça, ben, ça m'a fait perdre un temps fou et je n'ai fait que 300 croix dessus. Donc sinon, j'aurais déjà au moins fait la moitié de la jupe, de la robe. Voilà. Mais de démonter, de refaire, de voir qu'il manquait quelque chose, ça a été une horreur. Mais j'étais prête à jouer au frisbee avec. Hein. J'avais vraiment envie de jouer au frisbee avec. Et Chouchou, il m'entendait râler. Il me grognait. Il me fait, mais arrête, il dit, c'est quoi? Oh ouais, c'était une catastrophe. Donc, du coup, j'ai pas avancé beaucoup, mais bon, j'ai tout le mois pour le faire quand même. Hein. Voilà. Ah, mais je vous jure. Donc, j'ai fait pile 300 croix. Là, il y a 300 croix. Hein. J'ai pas compté les croix que j'avais faites, que j'ai redémontées, que j'ai refait, hein, bien sûr. Là, il y a 300 croix de. Faites. Sinon, j'ai dû en faire 500 moi. Si c'est pas plus. Allez, va dans le fauteuil, maman. Pacha, allez. Excusez-moi. Hein. Allez, hop, vas-y. Allez, allez, allez. Voilà. Hop, je vous montre. Voilà, dans le fauteuil à maman. Oui, il faut le motiver, lui, pour qu'il saute. Alors, ça, c'est fait.
que la terre est basse. Alors ici, il n'y a pas eu d'erreur. Il n'y a pas eu d'erreur. Je n'ai pas terminé mon étape, mais il n'y a pas eu d'erreur. C'est déjà ça. J'ai réussi à le broder sans faire d'erreur. Alors, ça, c'est le sale de jardin privé. Voilà. Donc, moi, j'en suis encore à la première étape, mais j'ai commencé aussi après les autres. Hein. Là, ils en sont à la... Attendez, j'ai imprimé. Partie 2 à gauche, partie 2 à droite. Oui. Partie 3 et partie 4. Moi, j'ai pas vu l'étape 2, elle est longue. Vous auriez pu faire une étape pour la droite et une étape pour la gauche. Ah non, ça va, non, c'est pas long. Autant pour moi. Autant pour moi. Non, non, ça va. Alors là, on a déjà 4 étapes. J'en suis à la première. Mais, comme je vous ai dit, j'ai commencé plus tard. Je crois que je dois être avec 15 jours de retard, moi, quand j'ai commencé. Mais super agréable à faire. Très sympa. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Bon, c'est vert amande avec des petits points blancs dedans. Voilà, étamine, 12 points, 6 fils, comme d'habitude. Alors, celle-là, je ne sais plus où je l'ai eue. Je ne sais plus si c'est chez... Je crois que c'est de mère en fille, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Donc, je vous dis, très agréable à faire. Alors, la première fois, c'est vrai que je m'étais beaucoup trompée. Mais là, ça va, j'ai trouvé la technique pour ne plus me tromper. Et bah, ça a été. Donc là, il me reste à faire les trois fleurs dedans. Voilà. Et cette étape-là sera terminée. Hop. Voilà. Mais j'aime bien. C'est vrai que celui-là de salle, j'ai beaucoup hésité pour le commencer. Il y a d'autres salles qui sont en route aussi que j'aimerais bien faire, mais bon, là, c'est pas raisonnable du tout. Donc, voilà. Je les ferai, mais peut-être par la suite. Donc, celui-là, je vous l'ai montré. Celui-là, je coche en même temps, comme ça, je sais ce que je vous ai montré. Ça, je vous l'ai montré. Et ça, on l'a vu également. Alors, ensuite... Ah, le lily point, je vous l'ai montré également. Voilà. Je vous ai déjà montré pas mal de choses. On est à quoi? 43 minutes. Je ne sais pas s'il y aura 2 heures hein, cette semaine. Cette fois-ci. Alors. Ça, c'est quoi? Non, ça, je n'ai pas fait. Je n'ai pas travaillé sur Alice au Pays des Merveilles. J'ai pas eu le temps aussi, mais enfin, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, ça a été un peu chaotique cette semaine. Ici, oui, il y a eu aussi beaucoup de pertes de temps parce qu'il y a eu plusieurs démontages. Ici, c'est le sale de Sabine, de poussière d'étoile. Donc, c'est le fan. Voilà. Alors, je ne sais plus quand est-ce que je vous l'ai montré la dernière fois. Ça doit être il y a 15 jours, je crois. Je vous avais expliqué que j'avais fait des erreurs. Donc, j'avais fait des erreurs ici et puis ici quelque part.
Et je vous avais dit, bon, je vais bidouiller, ça se verra pas. Et ça m'a pris chou de bidouiller. Donc, j'ai démonté. Alors, j'ai démonté. Alors là, il y avait combien il y a de rangs là? Ouais, il y a deux rangs où c'était l'étape d'avant, donc ça, j'ai pas touché. Mais tout ce qui était ici, là, comme ça, j'ai tout démonté. Là, il y avait des choses aussi, pareil, elles n'étaient pas là où il fallait. Hop, j'ai enlevé. Puis, il devait y en avoir ici quelque part aussi, je sais plus. Donc, j'ai démonté. Je l'ai marqué quelque part. Ouais, j'ai démonté. Plus de 200 points. J'ai démonté plus de 200 points, mais j'en ai rebrodé 284. Voilà. Ouais, non. Après, je me suis dit, si je laisse que je bidouille, je vais me planter. Ça va faire moche. Il va y avoir un décalage quelque part. Ça va pas le faire. Voilà. Donc j'ai préféré complètement démonter toute la partie qui était ici et refaire doucement mais sûrement en mettant les bonnes croix au bon endroit. Alors je sais également que dans l'oreille il y a eu des petites erreurs, mais là par contre je vais peut-être bidouiller l'oreille, ça se verra moins. On verra bien quand je vais revenir dans l'oreille. Là, pour l'instant, voilà, je vais faire ça ici, finir toute cette partie-là et je terminerai par l'oreille et je verrai vraiment si ça fait bizarre ou pas ou si j'arrive pas à me rattraper. Mais voilà. Donc, voilà, ce petit fond. Il bouge son petit museau. Regardez. On lui fera des petits câlins. Tout, 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 tout. Voilà. Mais. Alors, du coup, si je n'avais pas eu à démonter, pareil, hein, si je n'avais pas eu à démonter tout ce que j'ai démonté, j'aurais avancé un peu plus. Mais au moins, cette partie-là est redevenue au propre. Et ça ira très bien. Donc celle-là, je suis à... Ouais, 284 croix, de fait. Alors, celui-là, c'est fait. J'ai encore une petite à vous montrer. Oui, c'est celle-ci. Ah non, j'en ai encore deux. Attendez, je vais vous montrer l'autre avant. Alors, elle est où? Oui. Alors, celle-ci, on l'a fait. Alors, on est à 3 ou 4 à le faire. Donc, qui font partie du gang des Québécoises. Et il y a moi. Donc, c'est le Halloween Quaker. Voilà, donc c'est celui-là. Alors, moi je suis en retard. Alors, celui-là, on devait. On en est où? Officiellement, hein. Officieusement, j'y suis pas moi. Là. Alors, que je vous dis ça. Non, c'est pas celui-là. Ah, voilà. Allez. Oh là là, ah oui, je suis pas en avance du tout, du tout, du tout. Voilà. Alors.
La première étape, c'était de faire la sorcière. Et deuxième étape, on avait deux. Alors, c'était le celui-là. Alors, celui-ci, là, et je suis dans quel sens? Et là. Et ici. Voilà. On devait faire ça. Ben moi, je suis encore à la sorcière. Mais j'ai presque fini. La sorcière en elle-même est terminée. Voilà. T'as vu Sonia? T'as vu les filles? J'ai avancé, hein. Pascal, j'ai avancé aussi. Voilà. Alors, il y a Sonia et Pascal. On est qu'à, c'est ça, on est à trois. Alors, à le faire. Ouais, on est à trois. Si je me trompe. Non, on n'est pas à trois. Oh, Geneviève, excuse-moi, je t'avais oublié. voilà, donc moi je suis à la sorcière. Alors, je sais pas si je fais ça. Ah ben là, ça brille. J'ai la lune. Alors, j'ai pas tout à fait fini la lune, mais elle va aller assez vite à finir. Elle est en fil étoile blanc. Toute la robe de la sorcière, ses cheveux, son visage, c'est en. Mais là, j'arrive pas à vous le montrer. C'est en fil étoile noire. Et son chapeau, voilà, c'est avec le fil un peu poilu, là. Je vous remets la photo de la cartonnette, puisque ça, c'est en cartonnette. Alors, j'ai fait, mais bon, je vois pas grande différence, à part que ça brille pas. Mais voilà, je ne vois pas beaucoup de différence. Alors, par contre, j'ai pensé, parce que je voudrais avancer un peu plus vite. Il y a que la, je pense qu'il n'y a que la sorcière et la lune, là, voilà, bah, ce que je viens de faire là, que je vais laisser donc avec les fils spéciaux. Et je pense que tout le reste, je vais le faire comme c'est préconisé dans le modèle. Ouais, je pense que je vais faire ça parce que de faire avec le chapeau avec le fil poilu, donc j'ai pourtant brodé un fil seulement, mais ça m'a pris un temps fou. Ça m'a pris un temps fou. Surtout que là, je suis sur du lin 16 fils, donc mais ça m'a vraiment pris énormément de temps à faire ce chapeau. À un moment, j'étais à deux doigts de démonter complètement le chapeau et de le finir, voilà, au fil étoile pour que ça se termine comme ça. Donc, je pense que le reste de la broderie, moi, je vais le faire, je vais le continuer, mais avec les fils qui sont préconisés dans la broderie. Voilà, parce que là, ça me prend beaucoup de temps. Bon, c'est vrai que prendre, moi, ça m'embête pas d'avoir du retard. Mais voilà, par rapport aux copinettes, je préfère quand même essayer d'avancer un peu plus vite. Donc voilà. Donc là, je vais terminer ma sorcière et je vais essayer de me rattraper mes retards. Parce que vous voyez, ce qui est en rouge, c'est ce qui normalement doit déjà être brodé. Voilà. Et là, maintenant, on doit broder la. Oups, pardon. Cette semaine, on doit faire la partie numéro 7. Voilà. Donc, ben, on va s'accélérer un petit peu. Hein, et puis, voilà. Voilà, j'ai pris beaucoup, beaucoup de retard. En sachant que la semaine prochaine, normalement. On attaque, non, c'est pas ça que je dois ouvrir, avec Geneviève et Sonia. Où est-ce que c'est? C'est là. On attaque également une autre broderie dont je vous avais parlé.
Elle est où? Bon alors, elle est où? Je vous dis, j'ai plein de messages. Ça, ah, le voilà. Bon, ça a du mal à charger. Bon, je vous mets l'image. C'est le Languedoc-Templeur. Voilà. Normalement, on doit le commencer vers le 15. Donc, on verra bien. Mais voilà, il faut que j'arrête de commencer les broderies. Hein. Ouais, non, 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 faut que j'arrête. Alors, dans les petites broderies, la dernière, enfin, quand je parle de petites, elles sont sur les petits cadres. Là, par contre, j'ai pas avancé beaucoup. C'est là que justement, après, on a fait le bahut. Et le bahut, on l'a fait parce que je voyais que Chouchou s'ennuyait. Et du coup, je lui ai dit, tu veux qu'on fait le bahut, qu'on fait les portes? Il me dit, ah, bah oui. Donc, j'ai laissé de côté ma broderie. Mais bon, pareil. J'ai dû démonter un petit peu. Je suis insupportable. C'est le lion. Alors, il y a, le tigre, pardon. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose de fait. Voilà, je regarde si c'était dans le bon sens. Alors, j'ai dû démonter un petit peu ici, le noir. Mais presque rien. Hein. J'ai enlevé quoi? Une dizaine de points, peut-être, même peut-être moins. Voilà. Bon, j'ai pas avancé beaucoup. Ça, il y a. On est à plusieurs à le faire aussi. Il y a Sonia, il y a. Oh, je ne sais plus, les filles. Va falloir que je me fais des listes, hein, les filles, parce que là, va falloir que je note tout. Donc, je sais qu'on est à plusieurs à le faire. Sonia, elle a bien avancé. Bon, là, pour l'instant, elle est en vacances, donc je ne sais pas sur quelle broderie elle avance. Mais voilà. Donc, c'est bien. Voilà, ça avance doucement aussi, mais voilà. Celle-là, de toute façon, on ne va pas faire le fond. Je vous l'avais expliqué, hein, le fond qui est autour du tigre, le blanc, on ne va pas le broder. Donc, on gagnera ça. Ça de moins à faire. Alors, le tigre, j'ai compté. J'ai fait 300 croix. Voilà. J'ai fait 300 croix. On dirait pas hein, comme ça, mais. Ouais, j'en ai fait 300. Ouais. Ouais, si, j'ai dû en faire 300. Voilà. J'ai pas le chiffre sous les yeux, mais voilà. Donc, ça, c'est mon tigre de chez Lucas. Voilà. Donc, est-ce que j'ai la photo? Oui, j'ai la photo. Vous voyez, la voici. Voilà. Donc, il y a du taf hein, quand même. Mais tout le blanc qui est là, hop, tout ça, on ne va pas le faire. Il est trop, trop beau. Alors, je vous disais, je ne vais pas commencer de nouvelles broderies. Mais, alors, je vous ferai une vidéo alors, demain ou lundi. Parce que j'ai une copinette qui est abonnée à ma chaîne et qui, pour me remercier, m'a fait un cadeau. Voilà, elle m'a fait envoyer par la Maison du Canevas un kit de broderie. Alors, si tu passes par là, je te fais un énorme bisou. Parce que j'adore, mais alors j'adore. Oh! Et du coup, ben, il va falloir commencer. Hein? Mais ça, je ne vous le montre pas aujourd'hui. Je vais vous faire une vidéo dédiée à ce magnifique cadeau. J'aime bien les cadeaux.
Ouh, j'adore les cadeaux. Je vais vous faire une vidéo dédiée, donc j'essaierai de vous la mettre. Non, ah ben non, lundi, non, non, lundi c'est les unboxings le lundi. Donc ce sera plutôt mardi, je pense. J'essaierai de vous la mettre en ligne mardi. Mercredi, alors lundi les unboxings. Le dimanche c'est la journée créative, lundi c'est les unboxings. Mardi, ben, je vous ferai une vidéo dédiée à ce cadeau que l'on m'a fait. Et mercredi, ouais, mercredi, pardon, je vous ferai une vidéo pareille dédiée. Donc, je ne vais pas vous le montrer ici, mais je vais vous faire une vidéo dédiée concernant l'échange, voilà, oh là, excusez-moi, je cherche les mots. L'échange de cartes ATC brodées que j'ai fait avec une membre de mon groupe de broderie. Voilà. Donc, je vous montrerai ce que moi j'ai fait et je vous montrerai ce qu'elle m'a envoyé. Voilà. Donc, ça, je pense que je vous ferai la vidéo, je vous mettrai la vidéo pour mercredi, je pense. Voilà, ben comme ça vous fait plus de vidéos. Voilà pour les petites broderies, petites entre parenthèses. Donc, les broderies que je n'ai pas faites dans ce qui sont là, il y a eu la grenouille, il y a eu le Caroline Manning, il y a le Autumn Quaker. Il y a le colibri. Qu'est-ce que j'ai encore? Le Bouddha. Il faut que je me remette sur le Bouddha. Il faudrait que je me remette pour pareil, pour le terminer. Le sale du Nouvel An. J'ai pas avancé. J'ai pas eu le temps de le sortir. Ouais, j'ai pas beaucoup, beaucoup bossé sur les petites hein, cette semaine. L'aquarium de chez Lanart, pareil, là j'ai ça fait plusieurs semaines que j'ai pas avancé dessus. Ça c'est la grenouille, je vous l'ai dit. Le Bouddha, alors le Bouddha je voudrais bien le terminer, enfin il y a encore du taf hein, sur le Bouddha. Le Bouddha, je vais vous dire ce qu'il reste à faire, mais le Bouddha j'ai encore beaucoup beaucoup de boulot dessus. Alors hop. Ouais, le Bouddha, alors, je suis à 4766 croix, donc 37% 0,6. Donc, alors, ça me fait. Alors, attendez. 4766. Normalement, il y en a 12 859. Donc, ça me fait. Au moins le calcul de tête, à mon âge, je ne sais plus. Hein. Au bout d'un moment. 12 859 moins 4766. Ouais, il me reste encore 8093 croix. Ben, mon crayon est cassé. Croix à faire. Il y a encore du taf. Il y a encore du tataf. Voilà. Ouais, parce que. Alors, est-ce qu'il va se mettre comme ça? Ouais, vous voyez, là, j'ai encore tout le bas ici à faire. Voilà. Et j'ai pas fini non plus son chapeau. Donc, le chapeau, j'ai tout ça à faire. Donc, il y a encore des points à droite, à gauche à faire aussi. Non, il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot dessus. Mais je voudrais quand même, pareil, avancer. Voilà, parce que voilà ce qui fait dessus. Et
Voilà ce qui est fait. Donc j'ai encore tout le haut du chapeau là, tout le chapeau pointu sur le tutu. Et tout ce qui est là à faire. Plus des croix par la droite, à gauche, à mettre, que je n'aurais pas mis. Non, mais là, j'ai vraiment encore beaucoup de taf à faire. Et le plus compliqué, c'est là, c'est cette partie-là. Quand je dis compliqué, ça veut dire que le plus confetti. Voilà. Je dirais là, bon, c'est pareil, hein. Mais je trouve moins compliqué peut-être là que là. Mais bon, il faudrait que je le termine. Donc ouais, le Bouddha, je crois que je l'ai tout dit. Là, il faut que je sais que Amélie on va commencer. Donc Amélie, c'est la chaîne. Diamant, diamant, je crois. Si je me trompe, je corrigerai. On refait à deux, ça je vous en ai déjà parlé également, hein. On va faire à deux ce modèle là de poussière d'étoiles de Sabine. Donc moi il était déjà commencé un petit peu, et donc on s'est basé sur 1000 croix par mois également. Voilà, donc et là il y a combien de croix, il y a non, allez, attends, 200 multiplié par 100, ben, il y a 20 000 croix à faire, mais non, non, c'est 20 000, mais avec le fond, mais il n'y a pas de fond à faire, le dessin lui-même fait pas 20 000, non, je pense pas, donc voilà. Donc on va faire ça à deux. Moi, il était déjà commencé. Donc on le fait. Alors, je pense qu'elle va le faire sur la même toile. On le fait sur une toile irisée. Voilà. Donc moi, c'est une étamine 12.6 fils. Et donc voilà, le petit aimant. Donc on reprend là bientôt toutes les deux. Ça et. Oh. Ça c'était quoi? Ah non, ça fait partie des gants, c'est rien. Et ça c'est, ah oui, mon fox, j'ai toujours pas démonté sa queue. J'ai toujours pas eu le temps de démonter la queue du fox. Voilà. Vous rappelez, je vous avais dit, ce côté là il faut que je le démonte ici. Bon, il n'y a pas grand chose à démonter, hein, ça va. Il va falloir que je le démonte parce que pareil, il y avait une erreur. Voilà. Bon. Mais c'est un joli modèle. Hein. Voilà. Oups, je perds les fils. On va le mettre dedans. C'est pas grave, on retrouvera après. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour pour les petites broderies. Ça c'est quoi? Ah oui, c'est le Autumn Quaker. Donc celui-là, je ne l'ai pas repris pour l'instant. Mais c'est pareil, je vais vous faire une. Je vais le reprendre en faisant une vidéo. Puisque je voulais vous montrer. Puisque là, celui-là, je le brode en un fil sur un fil de trame. Vous vous rappelez, je vous avais dit, j'avais coupé ma toile alors qu'il ne fallait pas la couper. mais je n'ai pas encore eu le temps aussi de voir, parce que vous avez vu, j'ai fait une énorme marge. Voilà. Mais j'hésite. J'hésite quand même à reprendre une toile. Profiter. Oh, j'ai le nez qui coule, mince.
Profiter que c'est les soldes. Excusez-moi. Oui, je voudrais profiter que c'est les soldes et peut-être prendre une toile et le faire comme il doit être fait. Parce qu'en fin de compte, je crois que un fil sur un fil de trame, c'est très très petit pour moi. Je parle pour mes yeux, malgré que je suis avec une loupe. Donc, de toute façon, la toile n'est pas perdue. La toile n'est pas perdue. Elle peut me servir pour autre chose. Donc, je vais voir. Là, je vais profiter très certainement, du coup, puisque cette toile-là vient de... Comment ça s'appelle? La boutique de mère en fille. Et voilà. Je fais une petite pause pour ranger ça et je vous montre les grandes broderies. Allez, on reprend donc maintenant avec les grandes broderies. Alors, j'ai fait ma semaine pour ma maison météo. Alors, vous voyez, ça s'est refroidi. Hein. La semaine dernière, c'était bien. Cette semaine, bah, ça s'est refroidi. Voilà. Bon, on verra la semaine prochaine. Voilà. On verra bien. Mais bon, ma fenêtre est faite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mes pans royaux. Voilà. Alors, j'ai attaqué mon tigre, dragon, voilà, ma bestiole. Donc, toujours aussi agréable à faire. Donc, ça, c'est un modèle All Forest. C'est un modèle payant, par contre. J'ai fait quoi? J'ai fait 319 croix. Voilà. Je suis à 16,40%. Ça avance doucement, mais sûrement. Mais vraiment super agréable à faire. En fin de compte, bon, c'est vrai que les monochromes, ça va tout seul. Hein, parce que vous n'avez pas à penser à changer vos couleurs ou quoi. Donc, ça avance plus vite. Mais voilà. Il est beau. Il est très beau. Bah dans ce sac-là, c'est tout. Alors, bah vous voyez, vous en voyez un peu moins que d'habitude hein, cette semaine. Mais je vous dis, bon, avec mes douleurs, ça a été vraiment très, très compliqué. Là, c'est bon. Voilà. Ah, excusez-moi, juste une seconde. J'arrivais pas à attraper mon sac. Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Oui. Alors, je vais essayer. Alors, j'ai travaillé vraiment très, très, très peu sur ma steampunk, mais j'ai travaillé dessus. Voilà. Alors, on ne voit pas beaucoup de différence hein, par rapport à la dernière fois. C'est normal, je n'ai fait que, honte à moi, 74 croix. Ma main ne voulait plus broder ce jour-là, donc j'avais posé, et puis voilà.
Donc, on ne voit pas encore vraiment ce que ça. Enfin, on ne voit pas du tout ce que ça va représenter pour l'instant. Mais. Mais voilà. C'est rien, je vais avancer dessus. Bon, pareil, hein, il est très agréable à faire. Alors, celui-là, je le fais sur une toile Aïda 8. Ça change d'habitude, mais bon, c'est sur une toile Aïda 8. Voilà. Donc, il y a 150 couleurs pour celui-ci. Et ça, c'est pas un modèle qui est en vente ou quoi que ce soit. C'est une photo que moi j'avais récupérée sur Pinterest et que j'avais transformée en grille, hein, en grille de broderie. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, si elle vous intéresse, demandez-la moi par email et je vous l'enverrai, hein, sans problème. Et dernière toile que je vous montre aujourd'hui. Je vais poser ça là, sinon ça va tomber. C'est mon HAED. Voilà. Donc sur le paysage. Donc il a avancé. Alors j'ai avancé où? Là. J'ai avancé ici. Et lui, j'ai fait 370 croix. Voilà. Alors, j'en suis à 5,16%. Hein. Il y a encore du boulot. Voilà. Mais toujours agréable à faire également. Donc là, c'est les petites montagnes. Hein. C'est le début de la petite montagne. Là, bien sûr, je suis encore dans le ciel. Mais toujours très agréable à faire. J'aime beaucoup, beaucoup. Ben voilà tout ce que j'ai fait niveau broderie. Bon, j'avais brodé une ATC, hein, ça je vous l'ai dit, mais je vous la montrerai donc. Je vous la montrerai cette semaine. Je suis désolée de bâiller comme ça aujourd'hui, mais c'est le temps, la semaine qui a été difficile et tout. Voilà. Alors, niveau broderie, c'est tout. Mais niveau challenge, alors, on en est où? Donc, je ne sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Oui, hop. Ah, mon crayon, la pointe est cassée. Voilà. Et je sais plus. Voilà. Alors, j'ai pas fait le total encore, donc je vais vous le faire en vitesse. Alors, oh, meilleur ce crayon. Voilà. Alors, hop. Allez, c'est parti, mon kiki. 385. Voilà. Oui, j'aurais dû compter avant, mais je vous dis, j'ai complètement oublié. Enfin, surtout que j'ai pas eu le temps. attendez, j'ai fait une erreur quelque part. Oui, là. Voilà. Hop. Plus. Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que je suis où? Oui, là. Oh là là, je fais que des conneries. Je ne fais que des conneries.
Voilà. On va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Hein, c'est ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça. Voilà. Là. Oui. Et qu'est-ce que j'ai. Il y en a une que j'ai fait, que j'ai pas notée. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Dites-le-moi. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Mon Halloween. Ah oui, voilà. Alors, égal. Petite semaine. J'ai fait 3782 croix. Donc, petite semaine. Ah, voilà, ça y est, j'ai perdu ma mine. Ouais, petite semaine. Là, voilà. Hop, je vais mettre là parce que la mine de votre crayon gris, si vous faites tomber par terre, vous marchez dessus, vous en mettez partout. Voilà, bon, ouais, c'était une petite semaine, mais j'ai mon challenge est bon quand même, puisque je me demande à moi-même de faire 3000 croix par semaine. Donc, ça va, hein, j'ai dépassé de 782 croix. Voilà, bah, écoutez, niveau broderie, c'est tout. Alors, je n'ai toujours pas repréparé ma roue, ma nouvelle roue. Donc, on va reprendre la roue la semaine prochaine. Je vais la remettre. Vraiment à plat, enfin à plat, à jour, voilà. Oh. Et comme ça, on pourra refaire la roue à ce moment-là. Alors, la semaine prochaine, je vais continuer mes salles, de toute façon. Je vais essayer de broder un peu plus. Il faut que je termine le sale, enfin, tout au moins mon étape de jardin privé. Je vous dis, je vais broder un maximum sur le All Forest que Julia nous a donné. Il faut que, également, je continue mes ours. Que je termine, alors je suis en retard sur l'étape du mois dernier, donc que je termine l'étape de Alice au Pays des Merveilles, pour pouvoir commencer l'étape de ce mois-ci. Voilà. Donc j'ai quand même encore pas mal de boulot. Il faut que je commence ma nouvelle fleur. Bon, je pense qu'elle va être assez facile à faire également. Avancer mon tigre, mes pans royaux. Alors, je ne vous ai pas montré aujourd'hui le sale que je fais en duo. Enfin, le duo que je fais avec Sonia de la chaîne Diamant Rose, le Quaker, le sampler. Celui que je fais avec le fil étoile. Comme ça, Sonia est en vacances, on l'a mis de côté et on le reprendra à son retour. Voilà. Donc, j'aurai aussi mes quatre cases à faire du Lily Point. Mon Bouddha. Je voudrais avancer mon Bouddha. Ouais, bah, y en a plein. Hein, il y en a plein. Voilà. Ouais, j'ai le Bouddha. J'ai l'automne Quaker. Donc, ça, je vais réfléchir. Je pense que je vais reprendre une nouvelle toile. Puis voilà. Bon, c'est bon, hein, je crois, on a fait le tour. Niveau maintenant, tricot. Bah, écoutez, je range mes grandes broderies là et je vous montre ce que j'ai fait en tricot. Allez, on va terminer donc avec le tricot. Niveau tricot, j'ai pas réussi à terminer le pull de chouchou.
À cause de mes petites mains. Mais bon, c'est pas très grave. J'arrive bientôt au bout. Alors, je vous montre. Hop. Alors, je suis avec mes aiguilles circulaires, du coup. Oui, j'utilise des aiguilles circulaires. Alors, attendez, je cherche le devant. Est-ce que c'est là? Ouais, c'est là. Mais du coup, avec les aiguilles, ça ne le fait pas trop. Voilà, on va essayer de ne pas abîmer. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai terminé les deux emmanchures. Voilà. La deuxième est faite également. Voilà. Et là, du coup, je suis en train de monter les mailles. Voilà. Pour faire le col. Pour l'instant, j'en suis qu'à mon premier tour. Voilà, j'en suis qu'à mon premier tour. Et voilà, le montage. J'ai monté les mailles. Enfin, j'ai mis les mailles sur mes aiguilles. Je cherche le mot, mais je ne trouve pas. Et là, je suis en train de faire le premier tour en côte 1-1. Et alors, j'espère réussir, mais j'ai regardé les vidéos, j'ai vu que c'était pas, en fin de compte, c'était pas si compliqué que ça. Parce que moi, les cols en pointe, je savais pas faire. Et du coup, j'ai regardé les vidéos, j'ai regardé une chaîne Torsade, je crois que ça s'appelle. Il n'y a pas énormément de vidéos sur sa chaîne. Mais le peu de vidéos qu'elle met, elles sont vraiment très très intéressantes. Alors attendez que je vous donne ce nom historique. Est-ce que je l'ai là? Alors. Oui, c'est ça, c'est Torsade, le nom de la chaîne. J'ai regardé plusieurs fois la vidéo, elle n'est pas très longue. En fin de compte, je pense que je devrais y arriver pour faire mon col en pointe. Parce que moi, le col en pointe, ben, écoutez, je faisais en aller-retour, mais arrivé à la pointe, c'était ouvert. Et je fais, alors je ne sais pas si vous allez comprendre, mais moi après. Le côté comme ça et l'autre côté, hop, et je cousais. Voilà, ça fait que, mais c'était pas moche, hein, c'est très joli aussi. Mais en fin de compte, faire le col en pointe en faisant la diminution dans la pointe, je faisais pas. Je trouvais, dans ma tête, je me disais c'est compliqué à faire. Et bon, en fin de compte, non. Enfin, sur la vidéo. Sur la vidéo. Après, on va voir sur le pull. Mais je pense que ça devrait aller. Voilà. Donc là, je suis en train. Alors, je suis aux trois quarts de mon deuxième tour. Alors, j'espère. Normalement, je crois que j'ai monté assez de mailles. Je pense, ouais. Je pense que j'ai monté assez de mailles. Mais bon, ça va. Donc, on verra ce que ça donne suite au prochain numéro. Donc, j'espère que pour la semaine prochaine, je l'aurai terminé, que je pourrai vous le montrer fini. Voilà. Mais bon, je suis contente de moi. Depuis qu'il était commencé, il était temps. Hein. Il était temps. Voilà. Alors, donc, celui-là, c'est fait. Et j'ai avancer un tout petit peu, mais je sais pas si vous verrez la différence puisque je suis toujours dans les côtes. J'ai j'ai oublié de mettre mon bouchon. Voilà, ça c'est mon pull Armel, donc c'est le devant. Hein. Donc je vous ai dit la semaine dernière, ouais, je vais pouvoir avancer
bon morceau, mais je vous dis, avec mes mains, j'ai pas réussi. J'ai fait un petit peu, et en plus, là, tout à l'heure, j'en ai fait un peu, j'ai fait 3-4 rangs, ouais, 3 rangs, et je m'étais plantée, alors je me suis plantée ici, et puis pas moi. Comme j'étais fatiguée, j'avais défait, mais vous savez, démonter la maille, la remonter au crochet, et puis en fin de compte, je faisais toujours la même erreur. T'embête pas, Didit. C'est les deux derniers, c'est les deux dernières mailles là. Ce sera dans la couture, ça se verra pas. Voilà. Je sais pas, mon celui-là est pour moi, donc je m'en fiche. Donc voilà. Pas de tricot, c'est fini. ouais, il y a. Du coup, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'espère pouvoir me rattraper cette semaine. Là, aujourd'hui, les mains allaient mieux, hein, donc je pense que ça, pour la semaine prochaine, ça ira. Mais du coup, je voulais commencer mes coussins pour, vous savez, faire les coussins météo à partir du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Mais du coup, le crochet, ça aurait été un peu compliqué. Parce que pour faire du crochet, vous avez quand même la main qui bouge dans tous les sens. Et donc ça c'est rien. Bon, de toute façon le crochet ça va vite. Je vais pareil, je vais m'y mettre cette semaine. J'ai que 4-5 jours je crois à faire, donc ça ira vite. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette mini vidéo elle ne fait qu'une heure et demie cette semaine, mais bon, on se rattrapera la semaine prochaine. Je vous ferai une énorme vidéo la semaine prochaine. Là, bon, j'ai bossé un peu moins sur mes broderies, donc c'est pour ça. Mais voilà, j'ai quand même bien bossé, je trouve. Allez, je vais vous laisser. J'attends tous vos commentaires en barre d'infos. N'hésitez pas. Je commence à rattraper mon retard de commentaires. Excusez-moi. Je commence à rattraper mon retard de commentaires. Donc, n'hésitez pas à me montrer, à me faire des commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Il y avait une vidéo dont je voulais vous parler, mais je ne la trouve plus. Bon, ben, c'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Si je la retrouve, je vous en parlerai la semaine prochaine. Donc, c'est pareil. Si il y a des vidéos que vous n'avez pas encore vues, ben, pensez à aller les regarder. Cette semaine, c'est pareil. Il y a 3 jours, je vous avais fait une vidéo pour vous présenter la revue, comme je fais de temps en temps, la revue Idéal Tricot. Là, j'attends que Idéal Crochet sorte. Mais, bon, il y a eu quand même des vues. Voilà, il y a eu quand même des vues, il y a eu des j'aime, mais aucun commentaire. donc, est-ce que ça vous plaît encore que je présente ce style de vidéo, de vous montrer les revues de tricot et de crochet que j'achète? Parce que, pour vous dire franchement, pour vous parler franchement, les revues, je les achète, mais c'est surtout pour vous les présenter à vous. Donc si ça n'intéresse personne, je n'ai aucun intérêt à les acheter, sauf quand vraiment il y a des modèles qui me plaisent beaucoup dedans, que je suis sûre que je vais faire ou pas. Mais du coup, si ça ne vous intéresse plus que je vous montre ces revues de tricot, bah, dites-le moi. Je profite également pour donner 2 mots, vous savez, pour la revue anglaise de broderie, The World of Cross Stitch, Stitching ou bien, je sais, enfin bon, je sais plus. J'ai enfin eu des nouvelles de chez eux, donc je n'ai toujours pas reçu le numéro du mois de juin. J'avais eu le mois de juillet, mais j'avais pas reçu le mois de juin, et le mois de mai j'avais reçu en 2 mois.
Donc là, j'ai demandé le remboursement de cette revue, parce que bon, maintenant ils peuvent se la garder, hein, c'est bon, au bout d'un moment, ma patience a des limites. Ils se sont excusés, donc voilà, ils se sont excusés, ils m'ont remboursé, mais ils ne m'ont rien dit. Bon, je sais qu'ils ne sont pas responsables des... Et ils ne sont pas responsables des frais de douane, mais ça, je leur en ai parlé également, mais ils m'ont rien dit. Voilà. Donc maintenant, la broderie anglaise, le jour que je verrai qu'il y en a une qui me plaît ou qui m'intéresse, j'achèterai le numéro, mais en digital. Voilà. Comme ça, moi, je l'aurai tout de suite sur ma tablette. Et puis, voilà, il n'y aura plus de problème. Mais je n'achèterai pas tous les numéros. S'il y a un numéro qui me plaît, ben, je l'achèterai. S'il n'y a pas de modèle qui me plaise dedans, ben voilà, je ne vais pas les acheter pour acheter. De toute façon, là, en ce moment, c'est vrai que si j'ai des abonnements, je les arrête. Je suis en train de faire le tri parce que bon, on paye tellement de trucs à droite, à gauche, qu'au bout d'un moment, faut faire du tri. Maman, elle arrive, elle a fini. Donc voilà, bah écoutez, pour les revues de tricot et de crochet, dites-moi si ça vous intéresse toujours ou pas. Parce que si ça ne vous intéresse vraiment pas, bon bah, je ferai d'autres vidéos, mais je ne ferai plus cela. Voilà, dites-moi. Et du coup, vous ne verrez plus non plus les vidéos de la revue anglaise, puisque à part l'acheter en digital, je ne l'achèterai plus en format papier. Voilà, bah écoutez, je crois vous avoir tout dit. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche si vous me regardez ce dimanche. Je vous souhaite une bonne semaine. Pour ceux qui partent en vacances, ben, je vous souhaite de très bonnes vacances. Soyez prudents sur les routes surtout. Pensez à prendre aussi un parapluie, hein, et un caouet. Parce que bon, hein, c'est pas vraiment un été. Mais bon, je vous souhaite de bonnes vacances. Nous, on reste ici. Donc, fidèle au poste. Donc, vous continuerez à voir mes vidéos tout l'été. Puis voilà. Si vous avez des envies de vidéos, quoi, ben, n'hésitez pas aussi à me le marquer en commentaire. Et quand je peux, je vous fais la vidéo. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.